Salut Piste 5, ça va? Travailler plus vite ou je vais faire mal au petit grassouillet. Bravo. Bonne ambiance. Ah oui, Tuco, ça c'est, on est d'accord. Mais enfin, je connais pas non plus de jeu parfait, Tuco. Hein. Bienvenue à toi, néanmoins. Je connais pas de jeu parfait, mon ami. Le vrai problème avec Ubi, c'est surtout qu'ils survendent un petit peu leur truc, quoi. Et à force de survendre, bah, ils ne peuvent engendrer que la déception, forcément. Surtout si en plus il y a des bugs et des conneries comme ça. Et les bugs, c'est un peu la spécialité d'Assassin, quand même. Allez, grimpe. Pas de la grande infiltration, mais bon, on a quand même quelques sensations. Pas sortir de cette casse-bas autrement, ok, très bien. J'aimerais bien que ce soit un one shot. Merci. Flic à côté qui rôde en plus, on est bien là. Pas grimper? À plus tard, Speed Triple. Passe une bonne soirée, merci d'être venu, c'est gentil. Et merci d'avoir participé. Laisse-moi descendre. Dépêche-toi. Voilà, merde, il est sur le truc. Merde, merde, merde. Non, 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 non. Non! Mais non, putain! Ta merde. Fait chier, putain, merde. On va déclencher l'alerte, bah c'est un peu loupé là. Alors les flics, on est là. Amenez-vous les gars. Alors les flics sont généralement beaucoup plus costauds hein, que les autres, je vous le dis. Il est quasiment à l'article de la mort, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il fait pas grand chose pour l'instant. Putain! Voilà. Bon. Super. Je suis un peu déçu pour mon alerte quand même. J'ai l'impression que ça l'a pas pété l'alerte. C'est plutôt cool.
J'ai l'impression que je peux encore réussir cet incroyable défi. Alors, ça a marché, ça a pas marché? Dites-moi que ça a marché. Ah bah c'est bon, ça a marché. Donc l'alerte c'était la cloche en fait, mais non pas le fait d'être vu. Donc là bah toujours j'aime bien moi cette activité là, ça me plaît bien. Même si c'est toujours un peu les mêmes usines quand même. Hein. Merci Touko, c'est gentil de t'être abonné. Merci beaucoup cher ami, ça fait plaisir. Alors... Tac tac tac. Alors là, je vais essayer de reprendre le chat. Il manque la gestion des ombres et la lumière à la MGS, ah, c'est sûr, mais bon, c'est pas non plus le... C'est pas Kojima non plus derrière. The Division, je sais pas quoi en penser de jeu. Bah, moi non plus, Idol, et en fait, il m'intéresse de plus en plus. C'est-à-dire que avant, quand tout le monde y avait la hype autour, ça m'intéressait pas trop parce que je trouvais ça un petit peu trop ambitieux. Et puis là, finalement, alors, je me rends pas compte, j'ai l'impression que le chat déconne. Ouais, on dirait qu'on a perdu le stream, effectivement. Moi aussi. Je dirais qu'on a paumé le stream. Hop, je vais vérifier. Non, on n'a pas perdu le stream, si. Je m'en rends pas compte en fait. Non, on dirait que c'est bon. Vous avez toujours le stream ou pas? Hop, faites F5, virgule, relancer la page. Voilà. Désolé, j'ai effectivement cru qu'il y avait une... que le stream avait sauté. Mais ce n'est pas le cas. Alors, quelle était la question? C'était The Division. Voilà, et en fait, The Division, quand il y avait la hype et tout, ça m'intéressait pas trop. Et puis finalement, maintenant qu'il a l'air un peu plus humain, ce jeu, un peu plus, pas trop survendu, j'avoue que je suis assez tenté, en fait. Je pense que ce sera pas aussi ambitieux que ça a été annoncé, mais ça peut être sympa. Pour le multi surtout, évidemment, parce que bon, c'est un peu le cœur du jeu. Et je pense que ça va être cool. Je le sens mieux, je dirais. Je le sens mieux. Hop. Hop là. Allez, vas-y, hop. Pour les gens qui sont revenus, désolé si ça merdoyait. Des fois, il y a des sauts. C'est des choses que j'avais pas avant, et depuis que je suis chez Orange, j'ai ce genre de truc, donc c'est un peu con pour moi, mais bon. C'est comme ça. Salut, OSB. Comment va? Et le verdict, ça fait le taf? Bah écoute, oui, ça fait le taf. C'est un assassin, semble-t-il, voilà. Non, je laisse la scène. Je reviens après. Ta sagacité m'étonnera toujours. Tu ne sais poser que des questions stupides? J'ai pensé qu'en l'absence d'Henry, tu aimerais un peu de compagnie. Je n'ai pas besoin de compagnie. Et je te signale que Monsieur Green enquête de son côté. Oh oui, Monsieur Green. Quelle idée fascinante. Oh, je vous en prie, Monsieur Green, jetez un œil à ce livre et mettez-vous ici. Alors, j'adore quand ils se chambrent entre eux. Je sais pas pour vous, mais là, ça me plaît bien, moi. D'accord, tu n'as peut-être rien de mieux à faire. Mais moi, je défends la confrérie. En es-tu sûr? Que disait notre père, déjà? Ne laisse pas tes sentiments mettre en danger la mission. Exactement. Il se fait tard, je dois partir. Si j'ai une autre idée pour te faire perdre ton temps, je te ferai signe. Et moi, je saurai profiter de ton absence. Je suis désolé, je relo de la page, donc du coup, je vois plus votre ce que vous avez écrit. Mais effectivement, je vois l'eau qui a l'air catastrophée à l'idée de voir le jeu en français. Effectivement, je le recommande. Alors, je trouve que ça passe, hein, quand même, parce que bon, tout le monde a tendance à s'emballer, genre, oh, c'est en français, donc c'est naze, machin, etc. Non, n'exagérons rien non plus. Je trouve la trad est plutôt correcte. Le jeu d'acteur est pas super, mais c'est plutôt correct. Après, je recommande clairement de jouer en anglais. Je le sens pas, hein. Si je te les flics, à mon avis, ça va chier.
Merde, merde, j'ai rien à foutre là en fait. Je viens de tilter là. On peut pas rentrer par là, j'imagine. On sait jamais. Non, ça sert à rien. Vive les VF. Oh, j'en ai connu des biens plus catastrophiques que ça. Hein. Je sais pas trop comment faire là, je le tente comme ça, mais je le sens pas trop là. Voilà, hop, un petit peu à la bourrin. Ah oui, d'accord, ok. Marche pas? Non, bah oui, forcément. Hop là, belle esquive. Ok, on va créer une émeute, c'est pas grave. Ah, des niveaux 7, ça va être sport. Je suis allé un peu à la bourrin, vous m'en excuserez. Je vais même me barrer en fait, parce que ça pue trop. Alors, il y a mes mecs qui font un carton, mais est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. On va les laisser bosser, mes mecs, au revoir. Super mal. J'ai plus de remède. Non, c'est bon. Oh putain, ils m'ont déglingué. Ok, d'accord. Oh là. Ok, donc non, c'est pas la bonne méthode. Hein. Maintenant, on le sait. Alors, après plus de 10 heures en anglais, ça fait très bizarre. Oui, forcément. Ça, c'est logique. Mais je confirme. Hein, la version française et la version anglaise est meilleure. Moi, ce qui me gêne vraiment avec AC, c'est le manque d'ambition et de profondeur, hein, dit Captain Panda. De faire des jeux tous les ans, on perd en qualité, notamment scénaristiquement parlant. Bah écoute, oui, alors. Moi j'aime bien la relation entre Ivy et Jacob pour l'instant, mais j'avoue que le scénar, voilà, c'est pas non plus le truc qui me hype à fond. Il paraît que la fin est extrêmement décevante, donc on verra. Voilà. Use the fool, Luke. Yes. Thank you, hello. I will do that. Code Empire te demandait si tu allais faire Halo 5. Oui, je vais jouer à Halo 5, Yo Gamer. Le problème, c'est que pour l'instant, j'ai problème avec ma version, et je pense que ça vient de ma console, donc je sais pas trop comment faire, en fait. Microsoft m'a fourni un code. Alors je suis seul à avoir ce bug, hein, donc voilà. J'ai dans tous les gens de la profession qui ont eu la chance d'avoir le jeu, ou tous les testeurs, etc. Je me suis renseigné auprès de beaucoup de monde, je suis seul à avoir le bug en question. Donc c'est un peu chiant pour streamer parce que ça va pas rendre honneur au jeu, j'ai envie de te dire. Donc c'est un peu dommage. Mais oui, j'aimerais bien faire du Halo 5, oui. J'aimerais bien. Au moment de sa sortie. Donc je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer de le faire sans que ça le desserte, parce que je vois pas l'intérêt de diffuser un jeu si ma console déconne ou que mon disque dur est pourri ou... Voilà, cette espèce de freeze que j'ai toutes les 5 secondes est un peu relou. Bon, ok, et comment je fais du coup? Comment est-ce que je peux faire au passé en fait? Use the force, Luke, me dit-il. Oui. Comment je peux faire en fait? Ce sont de bons jeux au final, mais ça devrait être tellement mieux. Ouais, Captain Panda, je comprends ta déception, puis la répétitivité aussi, je conçois. Mais je trouve celui-là pas si mal que ce que tout le monde dit pour l'instant. Bon, comment je peux faire passer, bordel? Je vois pas comment je peux faire. Et si je faisais ça par exemple? Oh non, pardon. Non, non, mais non, c'est pas moi, je te dis, c'est pas moi, laisse-moi tranquille. Si je faisais par là en fait, juste pour... Ça marche pas du tout. Ok. Très bien. Alors on va les emmener quelque part et on va voir ce qui se passe. Voilà. Je peux pas me tirer dessus là, c'est pas possible mec. Ça va marcher, mais je le tente comme ça. Non, ça va pas marcher du tout en fait. Non, ça marchera pas du tout. Et merde! Putain, mais comment il fait pour me voir quoi? Sérieux, quel scandale quoi! Oula, puis alors ça a pas l'air d'aller. Ok, d'accord. Les attaques par surprise, ça fait mal quand même. On est marre de tous me les faire s'il faut. Ils font trop mal quoi. Putain, oh là là, ça me saoule. Je vois pas comment il faut faire hein. Je vais crever.
T'as le problème, Emmerich, sur le mode multi. J'ai pas encore essayé le mode multi, je joue à la bêta, Léagan, mais j'ai pas encore essayé. Moi, mon problème, c'est dans la campagne solo, en fait. J'ai un espèce de freeze toutes les 3 secondes, c'est relou, quoi. La consonne à plus jamais sera retransmise sur Twitch. Oui, Féline, je crois bien. Moi, j'y serai direct, mais oui, je crois que ce sera retransmis sur Twitch. Bon, il faut que je trouve une solution, là, je vois pas comment faire. Ça m'agace. C'est chaque année, c'est lassant, je trouve, il n'y a plus vraiment de saveur à y jouer. La foule a bougé, tu peux en profiter maintenant. J'attends le stream sur Fallout 4, certes. Bah, je sais que, comment il s'appelle, Erwan, il veut faire un stream dessus. Donc voilà. Moi, j'ai fait un gros saut, Stig. Bon, je sais pas comment faire, putain de merde. Je sais pas trop comment faire. Si je leur envoie un truc, ça va pas. Est-ce qu'il faut que j'attende? Il y a un truc particulier? Je vois pas trop ce que ça peut être, en fait. Il faut que tu m'aides. Tu veux m'aider, toi aussi? C'est bon? Okay, je vais tous les envoyer là-bas, puis on verra bien. Partons, nous avons du travail. Hop. Ils lui ont fait rouler le cul. Je me suis fait rouler dessus, ouais, surtout. Je peux pas en recruter plus, ok. Oh non, putain, non! Chier, putain de merde. Moi, je le sens pas trop quand même. Ah mon dieu. Cette fourberie. C'est fourbe, à mon avis, il y a moyen de faire mieux que ça. Mais bon. C'est ça qui m'a rassuré, moi, justement. C'est que les deux personnages s'entendent bien, Captain. Enfin, fonctionnent bien ensemble. Ah ok, la foule s'avance, d'accord. Mais non, pas du tout. Attends, viens là. Voilà. Tout va bien. Voilà. Reste ton calme. Tout va très bien. Ah non, je suis pas là, je m'en vais. Alors, voilà. Je n'en rajouterai pas sur la conférence Sony, mais je vous recommande de la suivre. Ok, bien, continuons. C'est quand même bien cool ce grappin, putain.
Ok, bon, t'as gagné, pas moyen de se téléporter. Eh ben non, évidemment. Je suis un peu vénère. Non, oh putain. Le grappin rallonge, pour ceux qui connaissent pas. Salut Girlsprank, ça va? Bienvenue à toi sur le stream de l'amitié et du partage autour de Assassin's Creed Syndicate, qui justement me partage les foules, vois-tu? Voilà, où nous en sommes. Il y a des gens qui crachent dessus et d'autres qui trouvent ça pas mal, et moi je serais plutôt du côté de ceux qui trouvent ça pas mal pour l'instant. J'ai ma petite huitaine d'heures de jeu, peut-être 9. Et pour l'instant, ça me plaît pas mal en termes de variété et de double personnage. Jacob et Evie font le travail. Je trouve. Même si le début est un petit peu décevant. Trouver les secrets de la cathédrale. Mais putain, va où je te dis femme. Bon, alors. Voilà. Starik & Co. J'aimerais bien vous montrer une scène avec Starik, mais il faudrait que j'avance un peu plus dans le scénar. Bon, là, c'est le cas, donc c'est ce qu'on va faire, mais. J'aimerais bien que vous voyez Starik, parce que le personnage est assez intéressant en fait. Il est assez voluptueux, assez classe. Il y a une espèce d'aura de respect autour de lui, j'aime beaucoup. Moi. J'aime beaucoup. Ah, Bloodborne. Bloodborne. Very good game, hein, very good. J'ai bien aimé moi aussi Bloodborne. Pas assez joué comme la plupart des jeux en ce moment. Trop de boulot, mais. Effectivement, c'est bien classe. Toi avec l'extension là, vous devez tous être aux anges là. Tu vois Emmerich, là, je trouve déjà Londres bien plus agréable que tout à l'heure. Ok Captain Panda, mais tu vois, je te dis, moi, franchement, c'est pas le jeu fait crade en fait. Il a une, je sais pas, ils ont fait un choix artistique crade parce que Londres était crade à cette époque-là. Et je trouve ça plutôt classe moi, parce que le jeu est pas laid, hein, loin de là. Hein. Maintenant, quand tu joues la première fois et que t'es pas dans un décor comme ça, tu te dis ouais, c'est un peu crasseux, c'est pas super beau. Bon. Et là, finalement, c'est pas mal. Bloodborne égale 1 euro par mort. Oui, bah non, tu sais, ça fait. Je stream tellement peu en ce moment que les gens me font plus de donations, hein, c'est fini. Hein. C'est là, non? Voilà. Résoudre. Oh putain, faut que j'utilise mon cerveau, les mecs. Je vais avoir besoin de vous. Attention, séquence cerveau. Alors, faire pivoter. Bon. Peut-être comme ça par hasard, non? Non plus, non? Peut-être plutôt comme ça? Il se passe un truc ou pas? Résoudre les lignes de Saint-Paul. Est-ce qu'il y a des E partout? Ouais, mais je sais pas si ça va être bien, les E. Va pour les E. Ah, mais non, mais c'est. Je sais pas, je tente un truc au hasard. Il n'y a pas deux fois le truc, donc ça peut pas marcher. Si? Ah, si, peut-être comme ça, attends. Attends, si. Non, ça marchera pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser son cerveau, réfléchir. Je vois pas, j'ai dû louper un indice, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a des indices dans le coin? Je sens pas trop d'indices là. Ça m'inquiète beaucoup. Y'a rien en bas en plus? Non, y'a rien. Ok, bon, très bien. Faut y aller comme ça d'une traite là? Ok, mais j'ai pas demandé à ce que ça pivote là. Ah si, ok, d'accord. Ok, on dirait qu'il y a une correspondance là, d'accord. Non, ça marche pas non plus. Alors du coup, je dirais ça, forcément. Non, ça va pas marcher non plus. Ouh là là. Utiliser son cervelet. Je pense que ça doit pas être si compliqué que ça, à mon avis. Hein. Ah non, ça marche pas là non plus. Non, alors si ça. Putain, là je comprends pas par contre du coup.
Alors, je ne vois pas trop là. Le but c'est d'avoir ça, donc ce sera d'avoir ça ou ça. Et si je fais ça, il se passe quoi? Là, ça marche pas, il n'y a pas de triangle là. Non, ça marchera pas. Donc il me faut forcément un symbole, soit comme ça. Celui-là, il y a aussi. Donc si je fais ça, il n'y a pas de symbole là, donc ça marche pas. Non, ça fonctionne pas non plus, mon truc là. Non, ça marchera pas. C'est pas possible. J'ai l'impression que ça se fait au bruit, je sais pas pour vous, mais. Je le sens pas trop. Donc là du coup ça fonctionne. Bah, ah si ça va fonctionner là, c'est bon. Voilà, ça devrait marcher normalement. Si je suis pas trop con, ça devrait être pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Putain, mais quel cerveau. Je suis un cerveau quoi. A brain man. Je suis très très bon, je vous le dis. C'était pas très dur en fait. Alors ensuite, je peux me TP directement, ouais, mais bon, je sais pas. Si je vais faire un petit temps de chargement, parce que j'ai la grosse flemme. Je peux pas me TP encore, ok. Très bien, alors allons-y. Allez, choupi, hop. Ah, c'est-à-dire qu'il y avait aucun indice, donc au bout d'un moment, si tu veux, t'as aucun indice, ça doit pas être bien complexe, quoi. Donc après c'est une question de logique un petit peu. On n'avait pas l'air trop dur non plus. Alors je vais vite choper le spot là, parce que je crois que je l'avais pas chopé celui-là. Une petite synchro, ça me va pas de mal. Voilà, hop. Ah mais putain mais je l'avais là, pourquoi est-ce que je peux pas y aller alors? Ah parce que j'ai pas libéré le quartier, putain quel blaireau. Je suis un gros blaire putain. Ok. Allez avance, choper. Voilà. Mmh. La clé de la crypte. Ouh. Il se passe des trucs. Genre le truc est resté là pendant des milliers d'années, c'est ça? Grande idée encore, ça, j'aime bien. Je crois que ah, la voilà, elle. Une des sbires de Starik. Vous le voulez pour asseoir votre pouvoir, mais saurez-vous le contrôler? Et pourquoi vouloir le suaire? Simplement pour en priver les Templiers. C'est typique des assassins. Détenir le pouvoir de la vie éternelle et avoir peur de s'en servir. La vie éternelle, vous croyez que c'est le secret du suaire? Ce que je crois ne vous concerne en rien. J'étais en train de fumer quoi, c'est dégueulasse. Je vais te crever moi, tu vas voir Lucie. Putain. Alors autant le système de combat, le nouveau système de combat il est cool. Autant voilà, quand on tombe là-dessus, c'est relou quoi. Genre, ça fait 15 fois que tu tapes le même personnage, c'est un peu relou. Moi, je crois qu'elle allait s'égorger, dis donc. Elle m'a fait flipper. Oh putain, d'accord. C'est une séquence particulière, ok. Oh putain. Putain, les bonnes femmes entre elles, je te jure. Des vrais shippies. Oh putain. Alors voilà, là du coup, là on voit bien les limites du système de fight justement qui sont que, bon voilà, ça dure 3 heures quoi. Allez viens. Ça c'est naze par contre. Mais alors ça c'est super naze, la première fois que je le vois, c'est un peu pourri. Putain.
Ok. Ah, c'est naze, mais c'est naze. Putain. Allez. C'est un peu pourri. Hein. Non, justement, j'ai pas voulu utiliser le gun pour que les gens voient un petit peu le problème. C'est dommage parce que tu vois, la scène-là, elle est cool, par exemple. Ah, je crois qu'elle veut le suaire. Vous venez avec moi ? J'ai d'autres projets. Ah, elle lui a laissé le suaire. Elle est balèze. Elle est balèze, que de mystère. Effectuer un saut une fois la terre, non, contrer toutes les attaques de Lucie. Bah non, j'ai été naze là. Ouais, bah c'était sympa, mais sans plus. Hein. Ça sent la chute par la fenêtre. Bonjour, très cher ami. Alors, ton ressenti pour le moment? Salut, Wax, comment ça va? Eh bah écoute, pour l'instant, je suis plus positif que la plupart des reviews françaises que j'ai pu voir. Voilà. Je peux y aller ou c'est juste pour faire joli? D'accord. Ok, cool. Bon alors du coup j'aimerais bien libérer ce quartier parce que ça m'emmerde de pas avoir accès au... Putain si j'y ai accès en fait. Oh là là, je suis dégoûté. Bon, je vais faire quelques petits trucs ici. Chasse de prime, vas-y. Allez Evie. Elle galère hein, sur cette surface là. Le système de descente est quand même nettement plus réussi que celui d'Unity, hein, putain. Je trouve. Y'a quoi ici? Putain, en fait, faut que je descende, elle est là, bordel. J'avais pas compris, il fallait que je la suive, moi, putain. Allez, descends, putain! Allez! Le système est nettement plus réussi, oui, mais là, ça va pas. Elle est où, putain? Fous-moi la paix. Ah mais non, c'est pas elle, ok, je comprenais pas. Putain. Caméra de merde. Ah merde. Ok, ça c'est pour les... Je ferai un montage après avec les éléments drôles. Et le bêtisier. Voilà. Je crois malheureusement qu'ils vont m'emmerder. Voilà. Niveau 6 en plus, je suis super content. Oh là là, ils vont me déglinguer, putain. Non. Oh là là. Au moins elle bougera plus, faudra les choses de mon côté. Merde. J'ai tellement peur de la flinguer elle. Et voilà. Bordel de merde. Ok, je me casse sans j'ai plus rien à foutre ici. Mon dieu, cette poursuite du massacre, ce fail terrible. Là, je vais aller faire autre chose, hein. Ah, je peux la ramasser quand même, d'accord. Et ben voilà, hop, on va revenir, elle sera plus peinard. Tu m'auras saoulé, toi, hein, je te le dis. Voilà, voilà, voilà. C'est comme ça qu'il fallait faire depuis le début, en fait. Ah, je suis écœuré de l'avoir massacré. Bon, je fais pas dans la finesse, je vous l'accorde. C'était pas très fin. Cette violence... Oui, Captain Panda, c'est vrai. C'est un peu chiant. Quand
le personnage devient con et que t'essayes désespérément de lui faire faire un truc qu'il ne fait pas, surtout dans la grimpette, c'est relou. Mais là, ça va un peu mieux qu'avant, je trouve aussi. Honnêtement. Ça arrive encore, mais... Voilà, tout ça, là, c'est un peu bizarre, quand même. C'est pas crédible une seconde, bordel. Merde, c'est à droite. Voilà, plus de cheval. Sans cheval, c'est beaucoup plus dur. On va pas aller par là, par contre. Ce bordel. Merde. On fait une petite marche arrière tranquillement. Ça va bien se passer. Destruction char à Londres. Oui, tu m'étonnes. Ah, des fois je fais pas dans la finesse moi. C'est le problème. Faut dire qu'en stream c'est pas non plus évident. Hein. T'es en stream et tout, donc tu parles en même temps, tout ça. T'es pas très concentré exactement sur le jeu. C'est un des trucs que je trouvais cool quand je testais des jeux en fait en direct, c'est que je rendais mon test, tu vois, hop, et je connaissais très bien le jeu, et après du coup, hop, je faisais un stream. Et c'était cool. Parce que du coup, tu connais le jeu sur le bout des doigts, quoi. Là, c'est vrai que bon, pas terrible, terrible. Ouais, c'est classe, hein, je suis d'accord avec toi, Ewax, moi j'aime bien. Ok, ça c'est fait, c'est bien. Maintenant, je vais pouvoir essayer mon truc tranquillement. La chasse aux Templiers, mais oui, on va se la faire, cette chasse aux Templiers, monsieur. Alors du coup maintenant, hop. Je sais, c'est la non, si je le fais, je vais t'emmerder. Surtout ne fais pas ça, Emric. Parce que tu vas être tout en haut, ça va être la merde encore. Pour descendre, elle va mongoliser, ça va énerver Captain Panda qui est déjà bien chaud. Ouais, il est tranquille à pied, ça ira très bien. Ou peut-être en carriole. Moi je les prends pas souvent les carrioles parce que je trouve pas ça super, hein. Je dois bien l'admettre. On s'y fait quoi, mais bon, pas ça super crédible. Tu vas croiser Jack l'éventreur. Salut Radio, je crois pas t'avoir dit bonjour aujourd'hui. Néanmoins, on a croisé un Jack, mais ce n'est pas Jack l'éventreur. Mais on sait qu'il y aura un DLC Jack l'éventreur. Allez, on se la fait un petit peu la bourrin. Voilà. J'adore comment elle se vénère sur le cheval. Allez là, vas-y là, va, balance tout ce que t'as là. Merde, c'était par là. Hop. Allez hop là. Oui, c'est vrai, Yogas, que c'est sympa les streams découvertes, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas forcément évident parce que t'essayes de faire un stream sympa où tu discutes avec les gens, il y a un échange et tout. Mais comme tu connais pas bien le jeu, t'es pas très bien concentré. Alors qu'avant, quand je connaissais bien les jeux, c'était plus cool. Merde, crève. Voilà. Bon. Pas là. Oh là, mais ça se bastonne. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Faut juste que je tue, d'accord. Faut juste que je tue les mecs, ok. Salut. On va pas se faire chier alors, on va se la jouer bourrin. C'est chaud là. Arrête toi. Voilà, on va tuer les deux. Voilà. Qu'est-ce que se fait? Je tue le flic aussi ou pas? Ah, manifestement il m'en veut. Fuir le secteur. Bah oui, j'ai fait tout ce qu'il fallait là, c'est bon. Y'a rien à taper néanmoins. J'aime pas trop laisser des choses, hein, je vous le dis. Il y a des jeux comme ça où je passe ma vie à essayer de choper tout ce qu'il faut choper, quoi. Et en fait, tu perds un temps juste, mais dingue. Complètement dingue. Allez, cassons-nous ici. Grosse finesse encore. En fait, je trouve ça plutôt cool qu'on puisse jouer un peu bourrin dans les assassins de plus en plus, parce que
J'ai jamais trouvé que c'était l'infiltration ou assassin, j'ai jamais trouvé que c'était le top du top de l'infiltration quoi. Puis là après Metal Gear forcément. Enfin un peu belle figure quand même. Amener la cible à tuer son frère. Ça aurait été cool putain. Ça aurait été bien cool. Dommage. C'est moi qui ai merdé du coup. Du coup je vais pas la noter parce que j'ai pas fait comme il fallait, donc ce serait malvenu de la noter. Ambiance musicale, je la trouve fantastique l'ambiance musicale Ewax. Moi j'adore quoi. Je trouve ça un peu décalé par rapport aux autres, je trouve ça super cool quoi. Il y a Idol qui s'en va. Bon bah Gigo, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao Idol, merci d'être passé et d'avoir participé comme d'habitude. Si j'ai bien compris, la chasse aux Templiers, ce n'est pas la suite de l'histoire. Ah si, joueur 73. Si, on est toujours dans la chasse aux Templiers. Toujours. C'est quoi ça déjà? Mémoire de Karl Marx. Mémoire de Charles Dickens, ok, ça on s'en fout. Là j'ai ce qu'il faut pour les mettre où je veux. Il faudrait que je continue par là en fait, moi. C'est par là. Bon, recherche et développement. Oui. Hop, on est là-bas. Je peux pas faire mon déplacement rapide. J'aimerais bien savoir pourquoi. Pourquoi je peux pas? Why? Pourquoi je ne peux pas me déplacer? Je suis vénère là. Peut-être parce que je suis accroché en fait. Si c'est ça, on va rigoler. C'est exactement parce que j'étais accroché, je ne peux pas me déplacer direct. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Extra. Ouf. Oh. Jouer avec moi à Destiny, j'en ai en ami. Ça rime, tu fais un poème, Idol? Jouer avec moi à Destiny, j'en ai en ami. C'est dommage que notre présent n'est plus jouable, j'aimais bien. Ouais, je trouve que ça avait un style aussi, Radiométrie, je suis d'accord. Même si on a senti que ça avait plus trop quoi faire avec Desmond, je le disais au début du stream, mais c'est vrai. Néanmoins, je trouve ça quand même effectivement un peu dommage. Et là, l'histoire qu'il propose, elle est pas terrible, quoi. Moi, le présent me gavait personnellement. Bah voilà. Mais moi, le présent d'avant m'allait bien. Le nouveau présent me plaît beaucoup moins. Capstergo et tout ça, ça m'excite beaucoup moins. Evie a 3 skills exclusives en infiltration et Jacob sur les autres. Yep. Ça te permet de spécialiser, quoi. Ouais. C'est où, Choupi? C'est là-bas? Ok. Il y a un saut dans l'ombre comme ça, un saut de la foi, mais alors, il est tellement haut, je crois que c'est celui qui est en haut de Big Ben, il est tellement haut que ça n'est pas crédible d'une seule seconde, quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. Il est où mon truc? Il me l'a enlevé? Mon marqueur? Ah, ben. Il est où mon petit marqueur? Il est là-bas. Il y en a un, il est juste, mais c'est... Genre, tu te demandes pourquoi est-ce qu'elle se fait pas... Elle n'explose pas dans le truc de paille au bout d'un moment, quoi. Allez. Mais je vais tuer le criminel, il n'y a aucun problème. J'adore faire ça. Voilà. Vous pouvez voir que je me fais pas trop chier à monter les compétences. Il n'y a pas vraiment de hasard à ça, parce que, en fait, même si c'est cool de les monter et tout... C'est pas non plus le truc indispensable pour finir le jeu, quoi. Il faut en monter certaines, évidemment, hein, mais bon. Ça te permet d'avoir un jeu plus confort et plus facile, mais voilà. Après, c'est pas le truc le plus important, en fait. Evie et Jacob rendent visite à Bell dans son laboratoire afin de poursuivre la lutte contre Starik. Et de saper son emprise sur la presse. Très bien, je prends. Ça, c'est le mec que Evie drague à mort. Dieu merci. Seriez-vous en pleine expérience, Alec? Exact. Ça a l'air plutôt ébouriffant. Pardon. C'est à cause de ces rustres que Starik ne cesse d'envoyer pour m'acheter. Il m'a proposé une somme absolument effarante. Alec, tu ne comptes pas quitter le navire, quand même? Jamais. J'ai conçu cette petite chose, au cas où... Mais tout à fait, Radiomatrix. Moi, j'aime bien aussi cette relation qu'ils sont tous les deux. Un assaillant, si besoin est. Vous croyez que ça va marcher? Je n'en sais rien. J'en ai fabriqué 3 avec, entre autres, différents degrés d'acidité. L'une d'elles devrait marcher. Allons les essayer sur des hommes de Starik, alors. À propos de Starik... Il propage toujours de fausses informations. Nous pourrions détruire ses émetteurs. Sa société est trop bien gardée. Ces bombes seront sans doute utiles, mais il serait dommage de fabriquer des bombes étourdissantes qui soient sans effet. Oh, attendez un peu. Je crois que l'occasion se présente d'elle-même.
Bon sang. Il n'avait pas l'air si mauvais jusqu'ici. Reste en retrait, allez. Nous allons plutôt jouer à un petit jeu de linguistique. Emporter ces bombes et grimper sur le toit. Et quand je prononcerai le nom d'un condiment... Je vous explique après pourquoi c'est en tchèque en dessous. Il y a une raison. Attendez, il y a une raison à ça. Glissez ceci dans vos bottes. Vous serez protégé de toute décharge voltaïque. Enfin, je crois. Alors, en fait, qu'on a joueur 1973, qui est peut-être encore sur le chat, je sais pas, qui en fait a voulait savoir si le jeu était sous-titré en polonais, donc du coup, je l'ai mis pour lui. Et voilà. Depuis, je l'ai laissé. Ça me faisait rire. Qu'est-ce qui se passe? Fallait pas que je me fasse repérer? J'ai loupé un truc, là, je crois. Manifestement, j'ai loupé quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'ai loupé quelque chose. Oui. Voilà, joueur 1973 qui est là, voilà. Et plus personne ne joue au multi de MGS. Bah non, c'est pas le truc le plus réussi, bien que le mode avec les disques est vraiment pas mal. L'aller en polonais, ça veut dire saute dans le foin. Lol. Miss Mimic apprend le tchèque. Lol. Ils ont repris leur système de coffre que l'on peut ouvrir avec un certain level. Oui, mais c'est beau, simplifié. C'est beaucoup plus simplifié en fait. Je crois que t'as 3 levels à peine, quelque chose comme ça. T'as payé un jeu en tchèque cadeau. Pas mal, les gars. Je vois qu'on est entre nous, c'est la rigolade. Pour ne pas dire la débandade, là. Bon, alors, faut pas que je me fasse repérer. Faut que je tue et n'alerte personne. Très bien. Quoi? Mais quoi? J'ai pas compris, là, putain. Faut que je fasse quoi? Faudrait peut-être que je lise, en fait. Ce serait pas mal de lire. J'ai pas compris ce que je dois faire, hein, je vous le dis. Toutes mes confuses. C'est un peu le bordel. Je suis assez déçu. Qu'est-ce que je dois faire exactement? C'est la merde. Alors, putain, les temps de chargement aussi, c'est relou, ça c'est un problème. Mine de rien, ils sont quand même super longs sur PS4, quoi. Donc pour ça, j'aimerais bien avoir une version PC. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Stop, attention, tuer ou alerter les hommes demain entraînera la désynchronisation. D'accord. Alors, où sont les hommes, en fait? Ok, donc je sais pas compris pourquoi je t'ai désynchronisé, j'aimerais qu'on m'explique. Si je vais là-bas, je suis désynchronisé, c'est ça? Fais flipper votre truc, hein. Ils ont l'air un peu chaud là, quand même. Allez, grimpe, chouette. Voilà. Plein de trucs à choper que je dois louper, évidemment. Ah, genre là, par exemple. Je vais le prendre, moi. Bombe voltaïque, peut-être ça qu'il fallait que je chope, oui. Je peux en prendre plusieurs ou pas? Complet, très bien. Et donc maintenant je peux les essayer. D'accord. Alors on va attendre un petit peu. Quoi? Putain, c'est ouf. Lire, c'est saut Haïti. Saut Nanti. Au secours. On jouera à Battlefront, du coup. Là, on n'aura pas trop le choix, vu que c'est only multi. Oui, Wax, c'est sûr qu'on se fera une petite team à Battlefront, c'est certain. D'ailleurs, je pense que c'est un des jeux, en fait, malgré toutes les critiques qu'il a eues, où jouer en équipe est super important, et je pense que ça va faire la différence. En tout cas, certains modes de jeu et certaines maps. Faut attendre le signal, d'accord. Très bien, je vais donc attendre le signal, merci Lo. Mais vu qu'il est en polonais, ah, pas mal. Forcément. Pas mal, ok, alors, on va faire un truc tout de suite, hein. Je crois que t'as bien vu, joueur sur 1973, pourquoi... Enfin, que c'était en polonais, donc on va passer à autre chose. Parce que c'est très dur, là, pour moi, j'avoue. Français, voilà. Comme je n'écoute absolument pas ce qu'il raconte, c'est un des problèmes des streams aussi. Non, Emmerich, non, pas par là. Pas de désynchronisation, voilà. Ah, c'est le problème de découvrir les trucs en stream, tu fais n'importe quoi. T'es pas concentré, et c'est relou.
crois que là il va me dire que je suis au complet, voilà, c'est 2 maximum, j'ai compris, ok c'est bon, puisque c'est indiqué en bas à droite. Mongolien. Voilà, tac. Non, 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 fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis, femme. Ok. Voilà. Attendre le signal de Belle. Voilà. On va y arriver. Femme et coup de l'homme, lol. Les promesses de votre employeur ne sont que du vent et ses activités vont tourner au vinaigre. Ok. C'est quoi ces histoires de vent et de vinaigre? Mais lui aussi devrait s'en sortir toute chose, je pense, non? Ok, cool. Attendre le signal de Belle. C'est bon, on l'a eu. Oh là là, mon dieu, je sens la séquence pourrave. Ça va me saouler. Oh là, ça va me saouler les séquences comme ça. Oh, je sens que ça va me saouler. Ouh là là là. Déjà, ça m'agace. Ça m'agace profondément. C'est pourri. Oh là là, c'est mal foutu ça. Ouh là là. Faut suivre le truc séquence par séquence, le script se déclenche très lentement et tout, donc t'as envie d'essayer des trucs, c'est mal branlé là. Putain, 4 fois pour ça, waouh. 4 fois pour m'apprendre à me servir d'un truc, ça sent pas bon. Et sinon The Division, on a des news du futur méga pétard mouillé. On l'avait déjà vu sur Watchdog, mais vous n'avez pas encore tout vu. Mais je pense que maintenant qu'il a un air un peu plus humain et un peu plus réaliste, enfin je veux dire, on voit que c'est faisable ce jeu. Ça me plaît déjà un peu plus. Donc moi je l'attends plus que lorsque tout le monde était hypé par le jeu. Mais je pense que ce sera pas aussi dingue que ce que Ubi a voulu nous faire croire évidemment. Au moment de son lancement. Allez. Enfin au moment de son lancement, de son annonce, pardon. Ok. On commence à comprendre la séquence, hein. On va attendre. Faut le faire 3 fois et attendre le signal à chaque fois, mais c'est de la merde, putain, c'est naze, c'est tout naze. Et c'est sur cette déception qu'Emeric Rashkita s'inscrit syndiqué pour un autre jeu. Oui, j'ai très envie de jouer à la bêta de Street Fighter 5 pour être honnête, allez, Hagan. Très envie. J'ai joué un peu hier, j'ai bien kiffé. Maintenir L2 pour viser, voilà. La lancer, voilà. Je crois que c'est fait. Et donc là, il se passe rien. Les mecs, voilà, donc faut aller jusqu'au suivant. C'est bien, bien pourrave. Voilà. Je le dis, moi. J'ai pas peur. Hop, voilà, tac. Ok, super. Qu'est-ce qu'elle fait? Calme-toi, Chouette. Arrête, putain. Non, attends le signal. On attend le signal. Salut Insomniac, ça va? Non mais c'est surtout que tu vois, c'est dans ce genre de moment où t'es censé apprendre à te servir d'un nouvel outil. Si le didacticiel est mal branlé, généralement c'est fatal quoi.